commencé la vidéo les gars, hier j'ai fait une vidéo sur comment obtenir le jogger noir. Je vous laisse le lien en haut à droite. N'hésitez pas à aller la voir si vous savez pas comment on fait pour avoir ce pantalon, parce que vous en aurez besoin pour la tenue. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer la tenue les gars, vous allez dans les hauts, vous allez dans les gilets de braquage et vous allez équiper le 23e. Donc vous allez mettre le gilet tactique saumon. Vous restez dans les hauts et vous allez dans les hauts polyvalents. Et là vous allez mettre le 30e. Donc le militaire beige zippé. Donc vous allez mettre des gants depuis le menu d'interaction. Donc vous allez dans style, accessoires et vous allez dans gants. Et on va mettre les tactiques gris. Maintenant que vous avez mis les gants, vous allez dans les chaussures et vous allez mettre des chaussures de skate. Vous allez mettre la 16e paire. Donc la skate uni noire. Une fois que c'est fait les gars, vous allez dans les masques. Donc c'est là sur la map. Ok, donc quand vous êtes arrivé, vous allez dans la catégorie masque et vous allez dans les braquages du Diamond Casino. Vous descendez puis vous remontez et vous allez mettre le masque de lapin. Vous pouvez mettre celui que vous voulez, mais moi je trouve que c'est le plus stylé pour sa tenue. Et là vous allez à côté et vous allez dans les chapeaux et vous allez dans les casques pare-balles. Et vous allez acheter, vous l'équipez pas maintenant, mais vous allez acheter le casque pare-balles brun clair. Puis vous allez sauvegarder la tenue avec le masque de lapin. Donc maintenant vous allez vous diriger vers un télescope. Peu importe, ça peut être dans un appartement ou sur le pont là-bas. Donc maintenant on va faire le glitch du télescope. Donc vous allez courir puis faire flèche de droite. Là votre personnage il sera buggé. Donc vous allez dans style, accessoires. Et puis vous allez équiper le casque qu'on vient d'acheter. Donc le brun clair. Vous allez faire rond 2-3 fois. Et puis vous allez marcher. Et là vous allez voir que le masque sera fusionné avec le casque. Et là vous allez vous rendre chez le marchand de masque pour sauvegarder la tenue. Donc maintenant on va mettre le sac de braquage sur la tenue. Donc il y a 2-3 jours j'ai fait une vidéo sur comment avoir le sac de braquage. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir comment on fait pour avoir le sac de braquage. Donc là je vais le transférer d'une tenue à l'autre. Donc je vais aussi vous montrer comment on fait. Donc vous devez mettre une tenue avec le sac. Donc moi je vais mettre celle-là. Et là vous allez prendre une oppressor et vous allez prendre de la hauteur. Puis vous allez sauter. Puis déployer votre parachute. Donc là vous allez dans style et vous choisissez la tenue qu'on vient de sauvegarder. Et dès qu'on va enlever le parachute, vous appuyez sur croix. Et là vous verrez que j'aurai le sac de braquage.